J'attends la synchronisation. Merci. Sécurité. Faites monter la pluie là, il va nous aider ici. Je pense que la lutte ne s'est pas terminée. Il y a la lutte de la
nous chanter. Allez. Ok, ce micro, au niveau de la fin là-bas, s'il vous plaît. Où il est, le micro? Là, voilà. Non, ça marche. C'est parti. C'est bon? Vous entendez? Alors, ça marche. Pierre. Il faut un. Mais c'est tout. Qui met le dé? Voilà, oui. Oh, les bons. Vous avez décidé, vous, la forêt, de changer le changement de la forêt, n'est-ce pas? Parce que ce mauvais changement ne nous a rien apporté. Absolument. Et ce Guinéen a décidé d'unir les Guinéens. Il n'y a plus de Guinéens, c'est Thomas, de Nanga, de Maria, de Maroc, de Bretagne, de Paul, de Chouchou. Il n'y a plus de citoyens Guinéens. Après moi, le président qui a été hier, il a trouvé une nation. Je ne comprends plus si on parle de l'État en nation ou si on parle de nation en État. C'est important. Mais elle a cette solution. Ce numéro-là, c'est une solution. C'est une solution. Merci. Continuez, mon gars. Population, vous allez créer et déraper. Je vous présente. Celui qui sera notre président de notre piscine du Brésil de Dieu, il s'appelle Mamadou Senghor. D'exécuter votre discours, de mettre en œuvre votre programme d'unité nationale, parce que toutes les régions ont souffert de la division, mais ici, à Zéro-Coré, ils en ont souffert encore plus. Absolument. Merci beaucoup. Alors, il y a beaucoup de leaders, notamment dont les fils viennent d'ici, qui ont décidé d'accompagner ceux qui allaient gagner. Pour la tenance, dans une alliance qui s'appelle Alliance nationale pour la tenance et la démocratie. En partant, le premier leader, vous permettez que je le présente pour vous. Oui. Merci de la compréhension. Quand il est dedans, c'est facile. Alors, ce premier leader, je me parle de demain. Docteur Edouard Zitoumou, bravo!
C'est le leader de l'UGPB. Il s'appelle Pepe Francis Lebon. Pepe Francis Lebon. Vous savez, il y a des milliers qui ont marqué la route pour la démocratie dans ce pays. Bandeto Cosa, la ciudad de Bogotá.
Tout le monde a dit,
savent que vous êtes le seul espoir pour relever les grands défis auxquels la population guinéenne est confrontée. À savoir, l'union des Guinéens que le pouvoir actuel a divisé pour régner. La remise en état des réseaux routiers, urbains, interurbains, jusqu'aux frontières. La valorisation de nos cours d'eau pour un service régulier en courant électrique et en eau potable de nos populations, source de développement. L'amélioration du système éducatif guinéen. L'amélioration du système sanitaire pour tous. La réouverture et l'exploitation minière.